Bonjour à tous. Ici, dans cette vidéo, je vais vous présenter le montage d'une nymphe sans aucune prétention, avec des matériaux, entre guillemets, basiques, donc avec une plume de faisan, donc naturelle. On va utiliser, donc ici, sur ma plaquette, un petit thorax orange que l'on va choisir ici, là, voilà, donc celui-ci. Pour le fil de montage, je vais rester donc sur le marron. Voilà, donc ma nymphe, c'est un hameçon de 12 sur une bille de 3-3. Voilà, donc, et ma soie de montage est à 8-0. Alors, il ne faut surtout pas faire n'importe quoi avec la taille des billes et la taille des hameçons. Il y a des tableaux comparatifs. Donc, en grosse majorité, on va dire que pour le 12, ça va être des billes de 3 ou 3-3. Le 14, ça va être des billes de 8 à 3. Le 16, des billes de 8 à 2-4. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. En gros, on descend comme ça. Voire même encore plus petit. Mais bon, chaque situation est à adapter. Alors, moi, c'est une bille. Donc, elle est fendue ici. Là, on la voit bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord rentrer dedans. Je vais couper mon petit fil. Alors, l'avantage d'avoir des billes fendues, ça permet justement de minimiser les enroulements pour maintenir la bille au niveau extérieur. Donc là, la bille sera maintenue en son centre. Voilà, et quand elle sera bloquée, quand elle commencera à bloquer, je vais positionner donc l'ergot qui est ici, voilà, le plus gros ergot vers le bas, voilà, donc comme ceci, il est positionné vers là, et puis je vais sortir, voilà. Alors je vais me positionner juste avant la courbure, je vais prélever, on va dire une petite dizaine, 7-8 cercles, voilà, hop, que je vais placer ici en pointe. Donc je passe sur le côté, je fais un mouvement et hop, et tout est placé au-dessus. Alors on va tirer pour ajuster, et l'ajustement, on va le faire plus ou moins un tiers du corps. Donc un tiers du corps qui va dépasser de ma courbure. Donc d'ici à là. Voilà. Tout le reste va être positionné au-dessus. Voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois, je fais le mouvement avec mon doigt pour venir le remettre en place. Voilà. Et je vais me remettre contre. Comme ceci. On va reprendre encore une fois quelques fibres de faisan. Voilà. Que l'on va fixer par la pointe cette fois-ci. Voilà, jusqu'à ce que j'arrive, où je relève à chaque fois pour ne pas écraser mes cercles. Voilà, ici, comme ceci. On va prendre maintenant un fil de cuivre. Voilà, assez fin, que je vais placer sur le dessus. Même chose. On ne le placera pas sur le côté pour ne pas décentrer le corps. Voilà, sinon il va être tout boursouflé d'un côté et on veut quelque chose de régulier. On fait du travail correct. Voilà, comme cela. Il me reste maintenant à donc mon fil d'attente. Mon fil est en attente derrière ma bille. Je vais humecter
le faisant, de façon à ce que quand je vais l'enrouler, il aura plus facile à tenir. Voilà, je vais le tourner un tout petit peu. Et là maintenant, je vais tourner sur le corps. Voilà. Et alors surtout quand j'arrive sur la fin, je ne vais pas continuer à le tourner. Voilà. Je vais laisser les fibres se mettre à plat. Ça va parfaire la conicité et ça va aider à mieux emprisonner toutes les fibres en même temps. Et là, on obtient tout de suite un corps conique. Je vais couper l'excédent. Voilà. Mes enroulements ont été faits face à moi, enfin devant moi. Je vais faire les enroulements de maintien de ma plume dans l'autre sens. Inspire, légèrement espacé, toujours de manière la plus propre possible. Comme cela. Ça ne sert à rien de faire trop de tours. Mais souvent, l'erreur, c'est de faire trop de tours de fil de montage. Ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, comme cela. Je vais prendre maintenant mes fibres, mon dubbing, pardon. Donc, pour la quantité, la voici. On voit rien, parce qu'il y en a très très peu. Et pour cause, ça ne sert à rien d'en mettre de trop. Vous allez alourdir, enfin, vous allez empêcher la descente de votre nymphe. Par des matériaux qui vont ralentir sa descente. Si vous utilisez par exemple du cul de canard, voilà, matériaux qui flottent, forcément la descente va être ralentie. C'est pas grand-chose, mais il y a des tableaux comparatifs qui ont été faits et on se rend compte que parfois il faut faire attention à ce qu'on met. Voilà, donc moi j'ai utilisé un fil fendu, comme vous l'avez vu. Je vais tourner. Je me rends compte tout de suite que j'en ai trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une brosse à dents et je vais ébouriffer un peu. Ça permet en même temps de nettoyer ce qui ne tient pas. Je vais nettoyer un peu sur les côtés. Voilà, comme cela. Voilà, et maintenant je vais faire quelques petits tours bien serrés pour que ça pénètre bien à l'intérieur. Voilà, et j'estime que j'en ai largement assez. Ça sert à rien que j'en mette plus. Il vaut mieux retirer l'excédent. Voilà. Je vais dégager le passage derrière pour pouvoir faire mes fixations entre la bille et le dubbing qui vient d'être mis en place. Je fais un bon serrage une fois. Comme ça, votre ligature est vraiment coincée derrière. Et il n'y a pas besoin de colle ou de quoi que ce soit. Tout simplement. On va nettoyer un petit peu. Hop. Fibre qui bouge, hop, à gauche et à droite pour éviter que ça ne recouvre le corps, parce que là on veut pas du tout que le corps soit recouvert par notre thorax orange. On veut qu'il soit délimité, donc
Si vous voulez qu'il soit illimité, veillez à bien faire cette opération. Voilà, c'est important. Voilà, comme cela. Et là, nous avons le montage d'une petite nymphe. Vraiment toute simple à réaliser. Il n'y a plus qu'à utiliser d'autres couleurs, d'autres matériaux. Mais la grosse base, elle est là. Voilà. Un bon montage à tous. Salut.